Salut mes petites frites, c'est Boisdin et vous êtes maintenant 2500 abonnés. Imaginez, vous êtes un plat de moules frites mangé par ce monsieur et qu'il mange une moule par frite. Eh bien, il y aurait 5000 coquilles de moules. Ça fait beaucoup. Mais je suis là pour dessiner la proposition de Gustave Kirby aspirant la tour Eiffel. Allons-y. Et go, je vais mettre Kirby ici. Voilà, et ouais, vous verrez après. Donc, alors, Kirby, c'est l'occasion de parler un petit peu de ses origines à celui-là. À la base, Nintendo avait créé ça pour faire un jeu de plateforme tout public, à accès facile, quoi, pour tous. Et il devait s'appeler Popopo, en opposition à son ennemi juré, Dididi. Mais le designer étant un petit peu en retard sur le design des personnages, ils ont utilisé une petite boule en attendant. Et finalement, ils l'ont gardé, cette petite boule. Et ils l'ont appelé Kirby en référence à l'avocat de Nintendo qui les a défendus dans le procès. Dans le procès en rapport avec Donkey Kong. Je crois. Je crois que c'était en rapport avec King Kong, le film, tout ça. Bref. Voilà, donc Kirby, je vais pas le faire plus beau que ça parce que j'ai la Tour Eiffel à faire. Donc tiens, parlons un petit peu de la Tour Eiffel. Ce monument très moche qui soi-disant trône dans la plus belle ville du monde, lol. Parce que oui, Paris, c'est pas la plus belle ville du monde, hein. Faut arrêter les conneries. Donc, je sais pas la dessiner, hein, donc je fais ça en fait. Je la fais de très très, genre, perspective foireuse. Voilà, ça c'est son antenne, et voilà, imaginons qu'elle arrive comme ça. Et je vais faire les aspirations de Kirby, voilà. Je sais vraiment pas quoi faire d'autre. Oui, donc Paris, c'est pas la plus belle ville du monde, c'est moche. Heureusement, il y a des gens bien qui y habitent. Voilà, alors là, la Tour Eiffel, c'est vraiment en mode à l'arrache. Tiens, on va faire des nuages derrière. C'est magnifique. Ce dessin ne veut rien dire. Et un nuage, bon, on sait pas ce qu'il fait là. Voilà. Voilà, c'est pas mon plus beau. Mais il est là. Ah. Ah. Ce 2 minutes pour dessiner était un défi intéressant que j'ai relevé. Après, à vous de dire si j'ai réussi ou pas. Je pense qu'on n'a jamais vu une tour Eiffel aussi moche et un Kirby aussi peu mignon. Surtout, n'oubliez pas de faire des propositions en commentaire dans cette vidéo parce que quand je vous le dis pas, vous oubliez. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez reprendre votre dernier commentaire. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'inventer un truc nouveau à chaque fois. Et concernant l'ancien 2 minutes pour dessiner contre Loki, vous avez été très nombreux à réagir et à dire que Loki avait gagné, comme d'habitude. À chaque fois que je fais un versus, je perds. Sauf que cette fois, j'ai eu un petit peu plus de soutien. Et cette fois, je ne suis pas d'accord avec vous. Autant les fois d'avant, j'étais d'accord pour dire que je m'étais fait laminer. Là, je trouve que nos dessins sont plutôt équivalents et que vous avez été cruel avec moi. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, donc abonnez-vous, partagez, Twitter, Facebook, Tipeee, tout est en dessous ou autour de moi. À bientôt. 3, 2, 1, go!